Si j'arrive à porter des appareils comme ça, c'est grâce à ma petite Audrey que je captais. Et puis j'avais été chez le médecin, puis il m'a dit, madame, je suis pas mal sourde parce que c'est ma petite qui avait une main et demie, puis c'est elle qui me disait, mamie, la porte sonnait, ça sonnait la porte, mamie. Là, j'allais pour la voir, puis je regardais puis avant d'ouvrir. C'était bien vrai, il y avait quelqu'un à la porte. J'ai ouvert mon téléphone, je n'attendais pas. Mamie, le téléphone sonne, mamie. Si elle est malade, elle dit à son père, appelle mamie, parce qu'elle dit, elle est juste celle pour me guérir. Elle est gâtée, comprenez-vous? Là, je m'en vais là, je la soigne, puis elle est bien heureuse, elle est contente. Je l'amène jouer au parc, je l'emporte où elle retient, je fais pas mal d'activités avec elle. Quand elle m'appelle, je l'entends bien, puis on communique mieux ensemble. Puis elle me dit elle-même, « Mamie, t'entends bien maintenant? Tes oreilles sont bien? » C'est plus la même vie. Je sais que je vais entendre ma porte, mon téléphone, tout ce qui m'arrive. Je joue à pétanque avec les gens. Ça m'amène à sortir plus, puis à avoir plus confiance en moi.